Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel essai de moto sur le repère des motards. Une moto assez exceptionnelle, hein, Damien, Multistrada, 1200. Alors 1200, oui, c'est presque 1158 cm3 pour être précis. Et surtout, en fait, c'est une toute nouvelle Multistrada qu'on a là. Ça n'a rien à voir avec les modèles précédents. Je trouve qu'il y a une vraie rupture. On dirait pas comme ça esthétiquement, même s'il y a pas mal de petits détails qui font la différence. La Multistrada 1200, elle est déjà sortie en 2010. Elle a 10 ans, cette moto. Ah oui, non, mais là, il y a un V4 à l'intérieur. C'est ça change quelque chose. Ouais, un petit peu quand même. Ouais, il y a un petit peu plus de vie. C'est surtout une vie différente parce qu'on avait déjà pas mal de chevaux sur la précédente. Mais non, là, la façon dont ça fonctionne, c'est pas juste un moteur, il y a vraiment énormément de choses autour de ça, une partie cycle très différente et une ergonomie aussi qui a énormément évolué et tout ça, ça change la moto. Ben moi, je préférais l'ancienne Multistrada. On a essayé la 1260 cet été et puis toi, par contre, tu préfères clairement la 1200. Alors moi, c'est la première Multistrada hein, qui me plaît vraiment de tous les modèles pourtant, depuis 2003. Ouais, 2003, c'était la première 1000 DS, donc voilà. Ça remonte quand même. Ouais, non, mais à chaque fois, en fait, c'était un trail plutôt sportif et pas vraiment voyageur. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment la réflexion que je me faisais à chaque fois, même sur la Grand Tour hein, qu'on a essayé en juin dernier. Et c'est une moto dans laquelle on était plutôt encastré, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Ouais, c'est parce que t'es grand, moi je suis un petit gabarit, donc c'est ouais, peut-être ça. Mais je sais pas, il n'y avait pas que ça, on était pas aussi à l'aise, la moto est assez rétive, et là c'est tout le contraire. C'est vraiment objectivement, il y a un travail sur la partie cycle qui est extraordinaire. Alors même qu'on a une roue avant de 19 pouces, ça aussi, on voit le positionnement de Ducati qui veut vraiment faire une voyageuse de cette moto et peut-être un petit peu moins la voyageuse sport qu'on avait avant. Là, on est quand même orienté davantage tant pour l'ergonomie générale que pour la roue avant qui permet, bah, pourquoi pas, d'aller plus facilement sortir des routes vers quelque chose de vraiment routier, voyage, long cours. Ça est plus proche d'une 1250 GS ou d'une S1000 XR chez BM pour toi? C'est un peu les deux. Voilà, c'est un peu c'est les un deux. Mélange de tout. pas vraiment, non, c'est pas un mélange. C'est vrai que c'est aussi un peu entre les deux parce que c'est quand même, j'allais dire, c'est pas aussi sportif que la S1000 XR, mais si, parce que le moteur est extraordinaire. On a aussi un 4 cylindres comme sur la S1000 XR, mais bon, là il est en V, sur la BM il est en ligne. La philosophie se rejoint un peu sur la XR, c'est plutôt vers cette moto qu'effectivement j'orienterais le comparatif. Et là, vraiment, cette nouvelle Multistrada V4 S a tous les arguments pour aller contrer le missile allemand. Ouais, y compris au niveau prix, hein, parce qu'il y a la V4, pas fait le détail de toutes les options sur la BM et de voir. Quand c'est à peu près au même niveau, l'entrée tarifaire de la Multistrada est assez élevée, hein, puisqu'on est à 19 590 euros, auquel il faudra rajouter, si on veut passer en V4S, puisque là c'est le prix de la standard, en V4S on est à 22 190, mais il faudra rajouter un pack touring avec poignée chauffante, sèche chauffante, béquille centrale, hein, tout ça, ça y est pas de base, c'est quand même un petit peu mesquin. Puis enfin, franchement, sur ce modèle-là, poignée chauffante, il fait froid, on se pèle en ce moment, j'ai bien apprécié. Ouais, non, mais pour un modèle touring, c'est indispensable. Alors il y a aussi quelque chose en plus dans le pack touring, c'est avec le radar. Et ça, c'est la grande nouveauté. Et maintenant, ils nous mettent des lidars et des radars partout. Alors en fait, on le voit sur la Ducat et on le voit sur d'autres modèles qui sont en train d'arriver. C'est pas un radar, hein. C'est le régulateur adaptatif en fait, qui fonctionne avec un radar, donc, qui est placé entre les optiques. Là-bas, il y a un petit carré, on voit entre les deux optiques. Et là aussi, je suis surpris parce que pour moi, c'est quelque chose qui vient de l'automobile, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas franchement au guidon. Bah en fait si c'est bien, ça m'a vraiment surpris de le dire là maintenant, c'est vrai que j'ai trouvé ça pas mal. Avec un régulateur classique, c'est vrai qu'on est soit trop haut, soit trop bas, bon, on a tendance parfois à réaccélérer, même trop souvent à l'accélérateur. Ouais. Là en fait non, ça fait, mais c'est même impressionnant en fait, parce que la moto va freiner toute seule quand vous allez arriver derrière un véhicule qui est devant vous, qui est un petit peu moins rapide. Donc ça va, le système va détecter l'obstacle, va freiner, va réguler la vitesse. Et puis quand ça va, si jamais ça réaccélère devant, bah ça va repartir. Donc c'est vraiment un confort, c'est une aide en plus, c'est un confort sur autoroute qui est vraiment sympa. À mon avis, c'est une option intéressante, c'est aussi une option qui forcément sera indiquée sur cette machine parce qu'elle est départ usine, on ne peut pas la remettre après. Donc ça, il faudra bien le savoir. Et puis du coup, il y a également l'angle mort et puis débauche d'électronique derrière. Il y a un détecteur d'angle mort qui est pas mal du tout, c'est vrai que c'est... Bon, ça faisait des clignotements dans les rétroviseurs. Bon, par contre, il ne faut pas les péter, hein, parce que ça doit coûter un peu plus cher d'avoir le système. Et la question que je me pose toujours là-dessus, c'est est-ce qu'au bout d'un moment, on s'y habitue pas? C'est-à-dire que voilà, ça clignote, est-ce qu'on l'a encore à l'esprit, ce petit truc-là, ou pas, quand on croise beaucoup de véhicules? Enfin bon, ça y est, c'est des choses toujours en plus, comme ça, qui nous mettent sur les machines. Bon, allez, je te laisse parler de la technique de cette moto. Alors effectivement, il y a beaucoup à dire, hein, sur cette toute nouvelle Multistrada V4. Version S que nous avons ici. Alors c'est d'abord un style qui a pas mal évolué, on dirait pas comme ça, mais c'est beaucoup plus court, beaucoup plus compact. Hein. À l'avant, on voit bien, même le nez, le bec qu'on avait avant,
Bah, il se fait un petit peu moins présent, ça c'est quand même très très bien, sans que le dessin a été un peu plus rationalisé. Les flancs également, on voit il y a un gros travail là sur les extracteurs à ce niveau-là pour venir dissiper la chaleur du moteur. Et c'est pas n'importe quel moteur, puisque là, cette fois-ci, on a un V4. Ducati a repris la motorisation qui était déjà sur la Street Fighter et sur la Panigale, à savoir le V4 de 1158 cm3, ici, en version Grand Turismo, qui va développer 170 chevaux à 10500 tours et 125 Nm à 8750 tours. C'est pas le modèle qui équipe exactement les deux autres versions, les deux autres modèles de la gamme dont je vous ai parlé. Ce modèle Grand Turismo, il a été retravaillé hein, pour donner plus de couple sur une large plage de régime, donc avec des conduits plus courts, une optimisation du timing d'ouverture. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez particulier. Et surtout, ce moteur, il est très compact par rapport au bicylindre qu'on avait avant. Donc on voit que cette masse qui a été fortement réduite, ça permet de positionner l'ensemble de façon différente sur la moto avec une optimisation du centre de gravité. Et ça, c'est très sensible également. Vraiment, ça fait une grosse différence. La partie cycle, évidemment, est entièrement nouvelle. Double coque aluminium sur cette partie-là qui vient prendre évidemment le moteur en fonction porteuse, avec une boucle arrière qui revient sur des platines aussi, qui vient de se fixer sur un élément aussi central qui fait la jonction entre l'ensemble. Tout ça est très rigide et ça sent énormément au guidon également. L'ergonomie a beaucoup changé. On n'est plus incrusté dans la moto comme on l'était sur l'autre. Là, on domine davantage la machine et on a un excellent contrôle de l'ensemble des évolutions. En plus, la multistrada est très rigide. Elle pivote d'un bloc, c'est assez fabuleux à ce niveau-là. On a un très bon guidage aussi du train avant, très bon ressenti. Hein. Autre chose aussi, c'est tous nouveaux instruments avec une superbe dalle de 6 pouces et demi, complet. Vraiment là, il n'y a rien d'autre à dire. Tout se pilote sur des nouveaux Komodo, notamment ici à gauche. Il y a pas mal de boutons, ça peut faire peur au départ, mais en fait, il y a beaucoup de boutons dédiés. Donc vous appuyez directement sur la suspension pour le bouton suspension pour régler tout ce qui est afférent à l'amortissement. Vous avez les différents modes moteurs, évidemment, qui sont tout ça est relié à une centrale inertielle hein, qui va sécuriser la moto à chaque instant, hein, qui va déterminer sa position au freinage, à l'accélération, à l'antipatinage et évidemment sous contrôle électronique. Il y a un tout nouveau petit joystick ici qui permet de naviguer super facilement dans toutes les fonctions de la moto. C'est très didactique, on s'y repère très vite, il n'y a pas de souci. Pareil ici pour la commande de régulateur adaptatif hein, qui est très facile à utiliser. Vraiment, c'est quasiment un sans faute. Et enfin, dernier point d'importance, moi je trouve, la bulle. Alors là, ouais. Avec un doigt et quelle que soit la vitesse, hein, c'est pareil. Voilà, ça coulisse sur 85 mm. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui va vraiment optimiser cette machine. Mais tout ça, ça se mesure en dynamique et c'est ce que je vous propose de retrouver maintenant. Alors à bord de cette Ducati Multistrada V4S, on note tout de suite l'évolution de l'ergonomie. C'est bien plus confortable pour un pilote assez grand, ou moyennement grand d'ailleurs, puisqu'on peut régler facilement la hauteur de selle. Et surtout, celles-ci sont peu fléchies hein, pour moi quand je mets la selle tout en haut. On a gagné en longueur de jambe, entre guillemets, en espace de jambe entre la selle et le repose-pied. Donc ça, c'est pas mal. Puis on domine vraiment son sujet, hein, on est bien sur la machine, on n'est pas à l'intérieur, donc ça c'est vraiment un point sensible et très agréable. Et puis également, à ce confort qu'on a en termes de position, ça amène beaucoup d'aisance, hein, on n'est vraiment pas fatigué au guidon de cette machine, on le sent tout de suite que ça va être facile à emmener. Voilà, ça se dirige déjà à faible allure au regard, ça c'est un point vraiment d'importance et de différence avec le modèle précédent. Il n'y avait pas cette facilité, cette évidence dès les premières évolutions. On a aussi beaucoup moins de sonorité outrancière. Ça, c'est remarquable. Donc vraiment une machine qui n'a pas fatigué du tout l'équipage. Alors on a aussi une nouvelle partie cycle qui fait la part belle à la maniabilité. Ça apporte un guidage plus serein, je pense, de la partie du train avant. Et puis il y a ce moteur, mais là on est à faible allure, un petit peu dans du trafic, et il est très doux, il cogne pas, on peut passer la 5, voilà, à 50. On est à peu près aux limites hein, de ce qu'il accepte, à un peu moins de environ 2500 tours, c'est quand même déjà pas mal pour ce type de motorisation. On sent que pour le quotidien, ça va être très agréable. Il n'y a pas d'à-coup, ça reprend très facilement. Et puis surtout, la sélection, voilà, c'est très doux. Ça verrouille parfaitement
même avec le quick shifter là qu'on a sur cette V4S, ça se fait vraiment en toute sérénité. Voilà, touche plus à l'embrayage. Très très performant ce quick shifter. Et le moteur aussi. Voilà, ça accélère très vite, très fort. On a quand même 170 chevaux, hein, 125 Nm des les bas régimes, on va dire, on a 90% de soucoupe maximum. Donc on est à des valeurs très élevées et ça motrise parfaitement. Voilà, une protection qui est géniale, là j'ai relevé la bulle. Voilà, donc là c'est impeccable. On a des flux d'air que sur les extrémités des épaules, rien sur le casque. On peut vraiment tailler les kilomètres, on sent tout de suite que ça va se faire dans un grand confort. Et là aussi, bah, sans fatigue, encore une fois, c'est tout plein de petits éléments comme ça qui font évoluer grandement et positivement la machine. Je dirais pas qu'on la reconnaît pas, mais franchement, cette douceur générale, on l'avait pas avant. Peu de vibrations également. Hein. Ça, des motorisations comme ça, on s'en lasse pas. C'est très différent du V4 Aprilia d'ailleurs. Alors là, je suis à l'arrêt, vous voyez, et le système désactive les deux cylindres arrière. Là, pour éviter que ça surchauffe l'été, enfin ça surchauffe le pilote et le passager. Mais globalement, les calories sont très très bien évacuées hein, sur ce modèle. On a des petits appendices là devant qui servent à amener de l'air là sur le bloc. Et puis ce système de désactivation des cylindres, c'est très bien pensé aussi. Ça soulage la mécanique. Alors vous voyez, c'est ça qui est génial. La moto, elle se cale sur l'angle, mais alors tout seul, vous n'avez pas à forcer. C'est des motos aussi évidentes, il y en a quand même assez peu. Hein. Surtout des gabarits comme ça, on a l'impression que ça va être difficile, mais dès que vous avez un tout petit peu de vitesse, 10-20 km/h, c'est on sent tout le potentiel de toute l'ingénierie qu'il y a eu sur cette Multistrada V4. Des suspensions pilotées qui font très bien leur boulot hein, avec un système automatique également. On a 4 pré-réglages plus un système automatique qui avec la centrale inertielle laisse la moto régler son assiette et met la précharge qu'elle détermine. Et ça fonctionne très très bien. On met un peu d'angle. Et tout ça avec beaucoup de sécurité aussi hein, parce que toutes ces assistances qu'on a sur la machine on continue. Ça permet d'appréhender les déplacements un peu différemment d'ailleurs. Hein. Et puis, ne pas hésiter à rouler un peu sport. Surtout qu'on a de quoi faire. Hein. Là, ce moteur, il débote. Hein. Là, je suis en 6, à 5000 tours, on réaccélère, ça repart très très fort. Et ça s'arrête jamais de pousser. Hein. Voilà, c'est une moto performante, une moto très séduisante, convaincante, avec laquelle on a envie de rouler. Voilà, ça sert à ça et c'est la première fois moi, que ce modèle me parle autant. Vraiment, je vais avoir du mal à la laisser. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais la rendre. Mine de rien, c'est quand même une moto pour grand. Hein. Parce que toi, tu es à l'aise, tu es super à l'aise là-dessus. Bon, alors, moi, effectivement, ce que j'apprécie, c'est même de relever la selle, hein, carrément, de l'avoir en position haute. Oui, parce qu'il y a deux positions. On peut même avoir une option encore plus haute ou une option plus basse. Là, c'est très très simple à régler, effectivement, c'est juste un cran. On soulève voilà. Et puis un cran en dessous. Non, on est quand on la place en position haute, pour les grands, bah, plus d'un mètre 80 ou 1,85 m, quoi. Ouais, c'est tout bien naturel, et surtout quand on est assis, voilà, on est vraiment au-dessus de la machine, on est vraiment très très bien assis. La selle est très confortable, c'est très bien dessiné, ça n'a rien à voir avec celle d'avant aussi d'ailleurs, c'est vraiment... Avant on était plus dedans, là on voit bien, on est assis plus droit d'ailleurs, on voit bien l'assiette de la machine hein, quand on met tout ça, c'est presque à niveau, même pour le passager. Et bon, on est bien, c'est l'ergonomie qui fait vraiment la différence, hein, encore une fois. Et je te rejoins sur le confort, c'est impressionnant, ouais, hein, on se prend des dodan, pas rapides, mais travail, voilà. Mais ça aussi la selle est... Mais... Ouh, c'est quasi, ouais. Quasi tapis volant en termes ouais. De confort. Et par contre, moi, même en position basse, je suis vraiment sur la pointe des pieds. Tu vois. Par contre, oui, c'est vrai qu'on ne ressent pas du tout le poids. On se dit toujours, hein, 1200, je vais m'en mettre une. Et là, alors on le dit souvent, hein, même pour des plus grosses, des Gold, etc., il faut à 10-15 km/h, tu ne sens plus le poids. Mais là, c'est vraiment avant la maniabilité en ville là-dessus. Ouais. C'est impressionnant. Hein. Elle fait 240 kg quand même. Hein, ouais. Donc c'est une moto assez conséquente, hein, ce qui est normal pour ce genre de machine.
Mais alors, effectivement, quand on l'a mis à l'arrêt, on sent que le poids est relativement au perché, quand même, à cause de l'essence notamment. Sinon, le moteur est quand même placé à une hauteur pré-standard. Même si on a quand même gagné beaucoup de garde au sol, hein, puisque comme le moteur est très compact, on a gagné 46 cm de garde au sol. Ouais, donc ça 46 mm, pardon, de garde au sol. Ça permet presque de faire toucher l'air pose-pied. Oui, je pense que quand on attaque, ouais, c'est possible. Ouais, ça doit être quand possible. Quand il fait un petit peu moins froid. Ouais, quand il fait moins froid et que les pneus sont chauds. D'ailleurs, à propos de pneus, les Pirelli Scorpion Trail 2, ils sont. Je les ai essayés que sur le sec. Toi, tu as eu un petit peu de gras hier. Je les ai trouvés plutôt bien, avec bonne accroche, grippe sympa. Ça chauffe très vite. C'est surtout le profil qui est très adapté à la machine. On a un pneu qui est relativement étroit à l'arrière. 170, ce genre de machine, ça devient presque rare. Et on a plus du 180 sur ce type de machine. Le choix précédent est en 190 sur la 1260. Franchement, la maniabilité gagne énormément. C'est vraiment l'argument de cette machine. On ne force pas son guidon. Tout est facile. Là, vous pouvez enquiller 500 km de petits virages. Voilà. Vous regardez la route, et la machine, elle vous y envoie. Toi, tu roules en 1150 GS, donc vieux modèle, sans qu'on remonte à 2003 pour la version de la 1000 DS, presque. Bon, la 1250, il y a vraiment un état d'esprit différent entre la 1250 GS et ça. Moi, j'ai trouvé que la 1250 GS, elle est plus pépère, entre guillemets, elle est plus tranquille au quotidien. Là, franchement, il n'y a pas besoin d'ouvrir, même en mode touring, il n'y a pas besoin d'ouvrir beaucoup et c'est une fusée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de couples, hein. c'est ce qu'on voit sur les courbes que nous a montré Ducati. Mais en sachant qu'à 5000 tours, tu es à 130 au légal sur l'autoroute sur le dernier rapport. Et à 230, on est aux alentours de un peu plus de 8000 tours. Oui, parce que l'autre jour, vous avez fait un gros passage par l'Allemagne. C'est comme ça que vous avez réussi à atteindre ça. Heureusement. Merci l'Allemagne. Il faut tester aussi à toutes les vitesses. Et c'est là qu'on voit aussi que la protection est excellente, que la bulle, encore une fois, les carénages qui sont vraiment très bien étudiés. Non, vraiment, on ne souffre pas. Il faisait 3 degrés hier sur l'autoroute pendant 2 heures aller, 2 heures retour. Et t'as pas été gêné par les valises, toi, à haute vitesse? Ah non, il y a un truc super. J'avais vu ça, moi. Alors, on se dit, oh là, tout va bouger. J'ai vu sur une moto il y a déjà quelques années de ça, mais c'est vrai que depuis, j'en ai pas revu. Et ça, voilà, vous avez un système pendulaire qui fait que ça corrige les oscillations dues à la bagagerie. Même à très haute vitesse, on ne sent absolument rien. Bon, et puis il y a Ducati qui nous a annoncé un super chiffre, soi-disant 60 000 km pour les révisions. En fait, c'est pas tout à fait ça. Ça les double, les révisions. Les révisions de la distribution, on n'a plus de Desmo, on n'a plus de distribution d'Esmodromique. Sniff. Je pense que les puristes vont râler quand même. Bah oui et non, en fait, ce moteur-là n'en a pas besoin selon Ducati, puisqu'il n'a pas une performance aussi importante que celle du Street Fighter ou de la Panigale. Donc ils se sont dit qu'ils allaient faire un rappel de soupape par ressort, classique. Ça permet d'obtenir un moteur a priori très fiable avec un intervalle de maintenance de 60 000 km pour cette partie-là. Oui, sinon, ça n'empêche pas la révision à 15 000 pour les fluides tous les deux ans. Il faut bien lire, on a quand même des lignes correctes. Il ne s'agit pas de revenir 60 000 km après chez Ducati avec la Meuse. Sans la vidange, sans rien. C'est ça, il y a peut-être un petit souci. Bon, c'est pas tout, mais allez, Sandrine, rejoins-nous là derrière la caméra, mais tu es aussi derrière sur, pour une fois que tu n'as pas pris de moto maintenant, parce que tu en prends de plus en plus. Allez, dis-nous ce que tu en pensais en duo. Une petite place pour Sandrine. Petite place, un petit gabarit entre le grand et le. Et le petit, ouais. Et le petit. Mon avis, il est un petit peu mitigé, mais alors je vais vous expliquer, parce que c'est vrai qu'il y a un grand écart de hauteur déjà entre les deux selles. J'étais avec David qui est un petit gabarit, je suis un petit gabarit, donc en gros 1m70, 1m60. Et en fait, le souci, c'est que du coup, David est plutôt assis juste ici, et moi, naturellement, je vais être là. Et du coup, il reste 10 cm de vide, et avec l'impossibilité de serrer les jambes contre le pilote, entre guillemets. Et alors là, ça m'arrive très très rarement, et là je suis complètement désemparée. Il y a beau avoir des poignées, alors là les poignées sont archi géniales, c'est du 20/20, il n'y a rien à dire, mais alors du coup les poignées toutes seules ça suffit pas, quoi. Je veux dire, il faut pouvoir serrer le pilote, et là en gros j'ai un no man's land au milieu qui du coup déstabilise et ne met pas en sécurité la passagère. Je pense que c'est différent effectivement si vous avez un pilote type comme Damien qui lui va du coup arriver ici. Si en tant que passagère vous mesurez 1m70, 1m75, vous allez avoir aussi les jambes plus grandes. Donc je pense que c'est l'idéal pour un couple entre guillemets plutôt moyen voire grand gabarit si on veut être en duo. Oui, parce que d'habitude, parce que sinon, en plus, quand tu montes derrière, souvent, t'as pas besoin de monter sur les repose-pieds. Moi, j'ai les deux pieds à plat. Ça, c'est les motos hautes comme la GS, mais sur la GS, j'ai pas eu ce problème-là.
Non, j'arrive à monter, j'arrive à serrer le pilote justement. Ouais. Là, c'est pas le cas. Et en plus, les valises pour monter n'amènent pas du coup de l'ergonomie entre guillemets pour la passagère. Oui, ça facilite, ça rend la montée sur la moto un peu plus compliquée. Par contre, c'est vrai que niveau confort, une fois qu'on est sur la route, c'est génial. Ah oui, là, la selle est super, les suspensions, effectivement, j'ai rien senti non plus. Ouais. Le vent, j'ai même pas senti. Et puis, la vue sur la route, en gros, on est un tout petit peu plus haut que le pilote, mais c'est très léger. Mais bon, on est tellement éloigné en gros des deux que de toute façon on a largement un champ de vision très large pour la passagère. Donc, et puis là, on a été équipé selle chauffante, passager et pilote, donc c'est un confort supplémentaire. Voilà, la position pour régler ici, ce qui est très pratique aussi. Non, c'est une moto touring, c'est sûr. Trois points forts pour toi sur la Multistrada 1200. Ergonomie, facilité, moteur. Ouais, confort en premier. Franchement, ça m'a marqué la facilité de conduite. Non, là, c'est... En ville, c'est un régal. Enfin, franchement, ouais, c'est vraiment facile. En voyage, c'est vraiment la machine presque, j'allais dire, idéale. Hein. Alors, évidemment, c'est... Ouais, par contre, ça envoie quand même. Donc, voilà, il faut être un tout petit peu réveillé si on veut envoyer. Il y a aussi, l'empreinte sonore est très réduite par rapport au modèle d'avant. Ah oui, la 1260, tu t'en prenais plein la tronche. Et donc, que ce soit en ville ou sur le long parcours, ça devenait vraiment inconfortable. Quoi. C'est fatigant, très fatigant. C'est une machine là qui ne fatigue pas son pilote, qui ne fatigue pas son équipage. C'est étonnant d'avoir une Multistrada comme ça. Moi, je suis le premier surpris. Oui, parce qu'on était vraiment habitué à une machine très, très sportive. Et là, on a presque une machine qui est... plus effectivement touring, ce qui était un petit peu moins son dada. C'est vraiment comme ça, c'est ce que je te disais. Ouais. Ils ont vraiment accès beaucoup plus touring, confort, ergonomie, silence, roue avant de 19, tout est fait pour tailler la route. C'est tailler la route. Et ça sera le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, eh bien, je vous invite à cliquer en bas à droite. Et puis on vous dit, Damien, moi, Zef, toute l'équipe, Sandrine, à très vite pour un nouvel essai sur le repère des motards. Ciao, salut. Salut.